Ah, on est bien là. Bien sûr. Non, je fais pas de bisous à la caméra ce matin. Si, bonjour. Bonjour à tous. C'est ma... Non, moi je vous embrasse pas, vous êtes dégueulasse. Ce qu'il faut, c'est de la sensualité. Lui, mais ça bouge pas tout. Et pourquoi tu fais... Pourquoi le premier plan de la vidéo, c'est un plan avec un compresseur qui hurle? Parce que c'est bien. Ça met dans l'ambiance. En fait, c'est un débutant de cadreur. Ah ouais. C'est pas... Ça se tient comment, cet outil? Bah, j'essaye de gonfler pour perdre un peu de grip parce que là, je vais pas te cacher qu'elle avance pas, la pauvre voiture. La drift cup en main. C'est vrai, comment ça dit le titre? Je l'ai touché? Ouais, non. Ça va, y a rien. C'est vrai? Y a rien. C'est vrai que t'as fait, elle est moins. Je suis debout sur l'embrayage tout le temps, elle veut pas. Moi je t'ai tapé de l'autre côté, je crois. Non, tu m'as tapé là, non? Pas là ou l'autre, je sais plus. Non, ouais, là. Ah, dans la roue, Charles. Qu'est-ce qui t'arrive, Dylan? Avance pas. En vrai, vu que je t'ai braqué, ça a tapé que la roue. Non, tu sais que ça va, t'avances bien. Il y a des endroits, j'ai du mal à dessus. Ah, mais gros, je suis comme ça, elle veut pas prendre de tour la voiture. Est-ce que tu gagnes? Dans 20 minutes, y a l'embrayage, il est plus là. C'est sûr et certain. Toto, hein? Ah bah si, j'aime bien. Il a crevé instantanément. Ouais, je pense. J'ai les goujons, tu sais, qui dépassent. Ah ouais, c'est sûr, regarde. Il a dû traverser instantané. Tu m'as demandé, je suis venu. Pète sa mère. Ah, pète sa mère, les premiers contacts, ma gueule! C'est bon, ça fait bien, ouais! Eh, je suis content! Débrouille bien, Toto! Ah, bah, grave!
Oh, tout à l'heure, j'avais plus le jus. Tu sais, je la plus de clean, elle repart pas. Et au même moment, tu pousses, tu m'as remis sur l'angle. Tu m'as remis sur l'angle, je vais péter sa mère. Tu vois, nickel. J'attends Toto prendre un épée. Ah, ça tue sa mère. Bof, je sais qu'il faut pas trop que j'aille me frotter à lui. Avec ses goujons. Faut que tu viennes là. Mais mon copain, pour l'instant, je décide pas trop, ça va un peu où ça veut. Déjà, quand il me chauffe, qu'il me fait comme ça, je vais y aller. Pique sa mère. C'est l'avant que t'as touché? Ouais, là. Non. Mais t'as touché l'arrière? Non, il a touché l'arrière, il a touché un goujon. Ouais. Il a dû venir taper là. Là, il y a une trace de roue. Regarde, là, c'est frotté, là. Ouais. Ah, bah donc c'est ça doit être les goujons. Regarde, ils sont tout noirs. On va les enjoliver. Ça doit être les goujons. Ah. Et là aussi, regarde, là j'avais rien tout à l'heure. C'est sympa celle-là. Ah merde! Ouais, il va bien avoir des là-bas. Bon, on met une rustine et ça repart là. Hein? Là ouais. C'est parti où, Dylan? Tu as quoi? Allez, mets du gaz! J'ai pas réussi. Après, j'ai droit à deuxième essai. Ouais. Après, allez, on échange des rôles. Nous, on va dans la voiture et il nous jette des salades. Après, deuxième essai. Regarde, faut que je tire un tout petit peu plus haut. Ah, il a encore envie. Le troisième essai sera le bon. Cours vite! Allez, c'est maintenant. Je lui ai vraiment mis dans la gueule. Dylan, quand tu vois cette vidéo, je suis désolé. Je ne pensais pas y arriver. Je lui ai vraiment mis en pleine gueule. Il faisait un peu la gueule. T'as filmé ou pas? Je suis désolé, Dylan, c'était pas fait exprès. Excuse-toi. Je m'excuse, Dylan. Il y a combien de chances sur un milliard pour que j'arrive à te la mettre dans la poche? Pas beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup. Et au bout de 4-5 essais, j'ai réussi. Après, c'est une chaussure molle. J'ai pas lancé non plus Père de Santiago, toi. Je suis désolé, Dylan. Dylan, je suis désolé pour le lancer de chaussure. Ah non, plein dans l'œil. Mais je pensais vraiment pas réussir à t'avoir. Il a des gros bras, le père Dylan. Hein. Moi j'ai entendu la troisième, c'est la. Non, t'as enculé le frein à main. Ouais, sauf que là c'était la quatrième. Ah merde. C'est toi qui a cassé la tige filetée? Ah, ça s'est défait, j'étais trop en mode filetage. Bon, ah bah ça va alors. Non, attention, mon tableau de bord. Mon tableau de bord. Ah, voilà, il y a la crémaillère qui commence à pas être heureuse. Écoute. C'est parti. Oui. Non, tu m'as dit que l'œil par contre tout à l'heure. Je suis vraiment désolé mon poulet, pour moi c'était impossible que j'arrive à t'avoir. Je suis désolé mon lapin. Ça t'a enlevé ton mégot, tu fumes trop aussi. Je fumais pas. T'avais un mégot? Ouais, non. Il était éteint en fait quand je suis rentré sur le circuit. Oui mais il faut l'enlever. Pas eu le temps. Je suis désolé mais pour moi c'était impossible. Vas-y, parle à la caméra. Dis donc, t'as mis tes plus belles, tes plus beaux souliers. Même Dylan en a pris une dans la gueule, il était pas très très content. C'est des souliers volants apparemment.
Merci Staffobar. Qu'est-ce qui se passe ici? On se retrouve dans une petite fosse de campagne. On est bien. Ouais, mais c'est qu'il fait chaud là-dedans, on va devoir se mettre. Tu sais qu'il y a un chiffon. Vous pouvez me passer dans ma voiture, il y a un chiffon derrière, là où il n'y a plus de banquette. Qu'est-ce qui se passe, Dylan? Ah, c'est le flecteur. Flecteur, qui c'est qui a dû se desserrer ou qui est parti en couille? Ou le palier. Chiffon. Ouais, le palier. Chiffon. Ah, mais là, ça fait un bruit, mon pauvre. C'est le palier. C'est le palier sur Zin. Essaye de le pousser là. Elle est plus vissée. Il y a que deux boulons 13. Ah ben c'est là, faut désosser ça, faut désosser la ligne. Il fait chaud là-dessous. Ça, si j'y arrache, là. C'est un truc. Et que là, je laisse refroidir. Ah bah oui, regarde, c'est venu taper là. Et que je laisse refroidir. Tu sais, j'y arrache à ce niveau-là. Là. Et puis j'essaie de remettre les vis, elles sont sur le côté. Ah, mais là, ça a tout enculé. Quoi? Bon, ça a tout dû fracasser, là, que ça grelotte depuis tout à l'heure, t'as tout pété, là. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Bah justement, on va remettre deux vis. Non, tu reverras jamais ta maison et tes enfants. C'est fini. Voilà, c'est parti, mon kiki. Désolé Toto. J'ai les risques du métier. De qui tu filmes?
Et qui te fait le mime? Franchement, si on fait un peu comme ça, il revient. Non, mais attends, on va trouver une solution à chaque problème. Ah bah au moins ce qui est fait n'est plus à faire. Ça y est, c'est un vrai missile. Mais la Toto. Fibre, elle a pas grand chose en soi. Tu sais ce que tu devrais faire, Toto? C'est la retirer l'annonce du bon coin. Ouais, je crois en vrai. Je vais la garder. Bah, je t'ai dit, maintenant qu'elle est baptisée, tu t'en fous après. Bon, la bah allez, c'est reparti. Attends, faut enlever la merde qui est sur la piste quand même. Bon, ce coup-là, je peux y aller fort. Valentin, bravo. Allez, c'est reparti. T'inquiète. Eh mais moi j'arrive vraiment pas dessus. Pourquoi j'ai un feu maintenant ici? Quoi? J'ai posé le feu. Ah. Toto. En soi, t'as eu plus de chance. Ouais, moi, y'a que le pognon. Toi, hier, qui disais, mais non. J'abîme. Bon, bah, au moins, comme ça, c'est réglé. On sait que ce côté, on peut venir l'appuyer un peu fort. Ouais, mais du coup, moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime bien quand c'est propre de deux côtés. Non, 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 le feu. Ah, y'a un clignot, y'a un clignot. Attends. Il sort d'eau lui. Allez, hey, c'est reparti. Yann, il faudrait qu'il arrive à rentrer chez lui avec. Ce serait pas mal aussi. Moi je crois que je vais la poser chez mon père, hein, c'est à côté. T'as pas vu? Après, en roulant, on perdait des morceaux qui nous passaient devant. Oui, j'ai vu, moi ma casquette elle s'est envolée et tout. On a fait des dégâts. C'est toi, tout à l'heure, tu chantes, moi. Tiens, t'as fait la.
Il y avait une pince aussi, non? C'est bon, Dylan? C'est bon ou c'était pas possible? Ah non, on peut rien faire. La grande, on a fait comme ça. Ça a déchiré la caisse. Ça a déchiré la caisse. En tapant? Non, ça, le flecteur, en fait, les inserts, ça s'est arraché de la voiture. Elle est trisomique maintenant. Un peu comme le bruit. Hein? Ça chauffe là-dedans. Ah, c'est con, il y a 4 fois que je peux rouler. Ah, mais c'est un peu d'huile ça. Ça, c'est une bonne couche. Par contre, l'inverse, lui, il est au top. Bah, pour finir la journée, monte tes pneus. Tu vas le suivre. Ouais, mais ils vont pas les tirer. Ils vont pas les tirer. Bah, moi, par contre, c'est sûr et certain qu'à partir de maintenant, je ne monte plus jamais des Ecnova à part pour le Bourbonnais. Mais non, c'est que pour le Bourbonnais. Ici, il faut rouler avec des merdouilles. C'est pour ça que j'ai arraché. Là, des pneus de récup neuf. Un coup de bombe. Parce que ici, s'il y a du problème. Après quoi que...
Bonsoir. Ah, le petit. Tout seul maintenant. Tu fais plus rien. Non, pas du tout, mais elle fait des coupures. Elle a des coupures. Elle fait des coupures, c'était trop bizarre. Donc des fois j'ai plus rien. T'as plus d'essence? Bah peut-être, mon compteur il marche pas. Donc je sais pas trop. J'ai peut-être plus assez d'essence, ouais. Je sais pas, mais j'ai plus assez d'essence. Quand tu tournes à gauche, ça j'ai pas fait attention. Elle coupe plus vite à gauche qu'à droite. J'ai pas fait attention. Mais ouais, elle coupe. Et vu que mon truc il la bug pompe, elle, la pompe elle est dans le dans ce côté là-bas. Ouais. Elle est côté intérieur. Du coup, quand tu tournes à gauche, l'essence part à droite du réservoir. Ah, je dois plus en avoir assez. Ouais. Je dois plus en avoir assez. Il y en a, elle coupe à la moitié. Il marche pas. La pompe d'origine. Ah. C'est pour ça que je sais pas. Des fois il marche, des fois il marche pas. Donc. Thank you.
ça. Ouais, elle est à la calée. Ah non, j'ai mis la 3. Ah, c'est bon. Ça fait comme sur un C-toi, parce que ta vitesse toute seule en fait. Tu me vois pas. Merde. De tout côté. Mais pourquoi il veut pas y aller?